quelques minutes des finales de la catégorie. Bonjour et bienvenue en direct du club bouliste du Rocher pardon, à Monaco pour l'édition 2022 du Challenge international Denis Ravera. Merci au club bouliste du Rocher, à la Fédération Monégasque de Boule déjà qui vous offre ce direct. Et puis également pour l'organisation de cette compétition. La 13e édition cette année, merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués. On arrive au moment des finales. On est sur les épreuves de double avec donc sur le direct. On va avoir donc la finale moins de 15 sur la gauche entre la France et la Croatie. Et la finale, moins de 23 sur la droite entre la France et l'Argentine. Et puis, hors champ caméra, on va vous mettre les terrains, les scores, pardon. U18, Croatie-France et féminine, Croatie contre Suisse. Bon match à toutes et à tous. Bienvenue sur Boulis Note pour ce direct. Merci d'avoir été fidèle pour ce rendez-vous du calendrier bouliste qui est devenu un incontournable du calendrier français. Allez, donc sous les ordres de Christophe Levaillant, arbitre international de ce tournoi, les parties qui vont être limitées en 1h15 de jeu ou 13 points. Bonne chance à toutes les équipes. Voilà, photo, souvenir. Voilà les buts qui vont être lancés par différents présidents. Alors sur la gauche, Philippe Rose, pardon, le président du club bouliste du Rocher, qui va lancer le but de la finale des moins de 15 ans au terrain numéro 2. C'est Frédéric Ruiz, le président de la Fédération international de boule. Au terrain numéro 3, c'est Didier Fulconis qui va lancer le but. C'est le président de la Fédération monégasque de boule. Et puis Henri Escalier, membre et président de la commission technique sportive de la Fédération internationale de boule. Voilà les lancers de but qui, pour l'instant, sont tous réussis. Donc les deux parties qui vont démarrer en même temps côté opposé. Donc pour le dispositif, voilà, on va essayer de vous faire vivre les deux finales. Donc avec une caméra plan rapproché sur le terrain numéro 1 et une caméra rapprochée sur le terrain numéro 2 pour la finale des moins de 23 ans. C'est pas bon. Deuxième tentative.
deuxième tour, on peut l'applaudir également. Merci. Et on est parti pour... Allez. C'est parti pour 1h15 de jeu. Bon match à toutes et à tous. Voilà, présentation des arbitres. Christophe Levaillant, Laurent Beau, et puis Majid Emtar également. Voilà, c'est parti. Alors, l'ouverture par la France face à l'Argentine en moins de 23. Et l'ouverture par la Croatie en moins de 15. Alors là, vous allez découvrir peut-être des terrains très roulants avec une légère pente, voilà, côté descendant. Nicolas Gérard, c'est une boule par côté. Et pour la Croatie, une boule forte. Voilà, qui laisse un petit peu de place à la France pour pouvoir reprendre. Reprise pour l'Argentine, boule dans le but. Pour la France, la reprise par côté. Benjamin Sauce qui va s'élancer pour l'équipe de France. Tir réussi pour le terrain français. Voilà, le pointeur croate qui s'est bien corrigé, reprise entre boule et but. Mais on va continuer au point, alors, une petite interrogation côté français, donc on va s'intéresser à la boule argentine. Une boule qui est bien passée au jeu, peut-être un petit peu forte. Ouais. On a décidé de pointer côté français en catégorie moins de 15 ans. Une jolie reprise. Boule qui en finissait pas de rouler. La reprise a été assurée. La troisième boule pour l'Argentine. Boule dans le but, deux reprises sur trois, 1,50 par côté. Jeu assez technique hein, pour les terrains du club Boulis du Rocher, pour ceux qui les connaissent. Très roulant. Voilà, avec le petit bec, la reprise pour la Croatie. Frappé pour Benjamin Sauze également, joli tir, but non annoncé qui revient en place.
Voilà, on va vous faire un petit point sur ce qu'on comprend des finales au terrain 3 et 4. À l'instant, donc, en finale moins de 18 ans, annulation pour l'équipe de France, qui en reste donc à 0-0 face à la Croatie. Argentine qui produit du jeu au point. Le tir sur la gauche pour l'équipe de France en catégorie moins de 15 ans. Benjamin Sauze, le 3 sur 3. Non, pardon, on était sur un petit réglage technique avec un confrère du son. Deuxième échec au tir donc pour la France en moins de 15 ans. Belle finale en moins de 23. Deux boules contre deux. Voilà. 4 prises sur 5 tentées pour l'Argentine. Il peut pousser le but également. Un dommage à la boule pour l'équipe de France, mais qui bec du mauvais côté. Alors, est-ce qu'on va les tirer les côtés bleus? On est deux boules contre une. C'est Nicolas Perron-Gérard. Tire avec uniquement donc l'annonce de la boule. Voilà, superbe frappe. Superbe début de partie de la part des deux équipes. Et boule-boule, peut-être les Argentins qui... ils s'interrogent sur rien parce qu'en fait, la pousse du but avait donné 2 points à l'Argentine. Si on est en train de remesurer. Intéresse à la finale moins de 15 ans avec la dernière boule pour l'équipe de France. Une boule qui s'écarte un petit peu. Ça va être la boule d'ajout pour la Croatie. Et puis l'arbitrage, c'est Laurent Beau qui va officier pour départager ce point. Une boule dans chaque main dans cette finale moins de 23 ans. Alors, la Croatie n'en profite pas. Le point confirmé pour l'Argentine. La Croatie sur une boule un petit peu forte. On a pris l'option du tir pour la France.
J'ai oublié de monter sa boule, hein, Nicolas Perron-Gérard. Et du coup, ça va être boule d'ajout pour l'Argentine. Et boule à out, alors on devrait, on va attendre la mise à jour du score, se contenter d'un petit point du côté de la Croatie. Catégorie moins de 15 ans. Alors attention, pour l'Argentine, c'est une boule un peu forte. On a peut-être sûrement même démarqué le point qui était présent. Mais alors du coup, voilà. Est-ce qu'on s'est également démarqué sur la marque? Eh oui, c'est pour les bleus. Donc les ouvertures de score. Voilà, donc 1-0 pour la Croatie en moins de 23, 1-0 pour la France, enfin en moins de 18, pardon, 1-0 pour la France en moins de 23. C'est la Suisse qui a ouvert son score, mais pour l'instant, on n'a pas de mise à jour du score dans la catégorie féminine. Voilà, je vous alentour des 15,50 m de distance. Avec une boule dans le but pour Nicolas Perron-Gérard. Alors on va avoir un petit peu de monde devant. But le long de la ligne latérale droite en catégorie moins de 15 ans. Pas de reprise, côté France. C'est 2-0 pour la Suisse en catégorie féminine. Aurore Franchini et Aline Berthoud. Et puis on rappelle qu'on a eu une annulation à la première main dans la catégorie moins de 18 ans du côté des Bleus, donc toujours 0-0 face à la Croatie. Cela se passe au terrain numéro 3 et 4, en dehors du champ des caméras. Boule forte pour l'Argentine, une jury un petit peu bizarre. On a décidé de pointer sur une boule à 25 cm par côté. Sur la gauche, voilà, vous devinez la France qui coince un peu, avec deux boules déjà passées, troisième boule à venir. Voilà, reprise à la troisième boule pour l'Argentine. Du coup, on va aller défendre ce point avec Benjamin Sauze. On n'a pas réussi à reprendre le côté français en moins de 15 ans. Ça se passe sur la gauche du terrain. Gauche de l'image, pardon. Benjamin Sauze s'est frappé.
Les Argentins qui vont les tirer à la boule, on va s'intéresser à la quatrième boule de l'équipe de France. Une boule, vous devinez qu'elle est à nouveau compliquée pour les Bleuets. Petit raté pour l'Argentine. Alors, Argentine, on est à deux boules contre quatre. Et la France, deux boules contre cinq. On joue sur la première boule de la Croatie. Non, les Argentins en réflexion. On va aller tenter l'annulation côté Croatie. Côté Argentine, pardon. Pour l'instant, ça ne s'arrange pas pour les Bleuets. La cinquième boule, on n'a pas réussi à reprendre. Capdevila pour le tir, c'est sur la droite. Alors la France en moins de 15 sur la gauche qui fait venir la dernière boule avec une reprise assurée. Et puis la boule courte pour l'Argentine. Alors, c'est un concours de points pour pouvoir faire compter 4 boules pour les Bleus. La Croatie qui partirait. On va chercher déjà à gagner le point. Alors là, déjà, voilà, on a vérifié la régularité du tir. Le tir est correct. Derrière, on a eu le contre. Hein. On s'est démarqué sur le point côté croate. Nicolas Perron-Gérard qui en profite pour ajouter pour la France. Deux points par terre. La France qui mène 1-0 dans cette finale, la catégorie moins de 23 ans. Et pas tout à fait sûr qu'on soit démarqué côté croate. Voilà, boule qui a longé la ligne latérale droite sans se perdre. De ce temps mort pour vous dire qu'à partir de 16h, il y aura donc la remise des prix. Et dans le cas alors, de cette fois-ci, Boulaout, pardon, hors des limites du terrain pour la Croatie en moins de 15 ans. Alors, la troisième boule de Nicolas Perron-Gérard, voilà, mais sans certitude, on a l'impression qu'à la mesure, elle était un petit peu courte. Donc, on serait sur deux points par terre et encore donc deux boules en main pour la France. Voilà, Benjamin Sauze qui fait compter.
L'attitude croate. So just to let you know that at 4 p.m. We're gonna give out the awards and we would like the team to have be with their Alors, on va les tirer côté croate. On va suivre la boule de Benjamin qui va rester court. 3 points pour la France. France qui mène 4-0. Puis c'est un tir pour ajouter pour la Croatie en moins de 15. On a frappé avec un contre derrière. C'était peut-être une frappe pour 3. Voilà un petit temps mort qui a été sollicité. Voilà, 1-0 pour la Croatie en moins de 18 ans. Correction du score. Donc la Croatie, pardon, également qui a ouvert son score chez les féminines. On avait affiché du 4-2, mais c'est du 3-2 pour les Croates. Et en moins de 15 ans, pardon, pour être tout à fait complet, les Croates viennent de marquer 2 points, donc 3-0 face à l'équipe de France. Et j'en profite également pour vous dire qu'il n'y aura plus de navette jusqu'à la fin de la remise des prix. Donc, on reste ici au profit du rocher. Just to let you know that no more shuttle will be accessible until the awards. Voilà les ouvertures de mène. Donc Nicolas Perron-Gérard à nouveau très près. Pour la Croatie en moins de 15 ans, boule par côté. Donc là, voilà l'Argentine qui a boule qui est passée. On va suivre la tentative de reprise pour l'équipe de France.
Nouveau une boule forte pour l'Argentine. Alors, la reprise pour la France là, qui fait pointer la Croatie sur une boule forte. Voilà, reprise à la troisième boule. Alors, c'est vrai qu'avec le visuel, on voit pas très bien à quelle distance est située la boule du pointeur français. Croatie parti au tiers, c'est frappé. Benjamin Sauze s'est frappé. Fait déjà venir la quatrième boule pour l'Argentine. Voilà, Argentine qui va aller tenter l'annulation. Croatie qui pour l'instant a réussi à casser les reprises françaises. Oui, ce tir est validé. Avec Abdovila qui est vraiment sur la défensive. Tir au but réussi. On en reste à 4 à 0 pour l'équipe de France. Alors, tir croate raté, puis ben voilà, on se met en place pour retrouver. Voilà, on va vous faire une petite interview avec une joueuse de talent et de grand talent, puisque ben, elle connaît bien le double. Alors, comment on va faire? Voilà, on va enlever le temps et les incrustations score. Une interview qu'on va réaliser en français. Et non en turc, alors on va vous donner une petite indication, vous la reconnaissez. İnce Ece Öztürk, la championne d'Europe en titre du double, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Bonjour İnce. Bonjour. Alors, un prank.
On va essayer de faire l'interview en français. Hein, tu parles un peu français? Oui, oui, je peux parler un peu, mais ce n'est pas très bien. Un petit mot déjà sur le titre en double en Slovénie, ainsi que tu es championne de tir progressif au dernier championnat d'Europe. Oui. Quel souvenir? Comment ça s'est passé? Et plus, une médaille bronze, un relais, c'était très bien. J'ai reçu bien, je pense. Et 2018, nous avons très bien reçu avec l'équipe de Turc. Et nous continuons à gagner. Et je suis très contente. Et je pense à. Nous avons très bien progress et maintenant je joue avec l'équipe de Rive de Son en France et je suis très contente avec mon nouvelle équipe parce que je pense que je peux me développer et progresser meilleur en France parce qu'il y a beaucoup d'opportunités et il y a beaucoup de compétitions pour sport, et je pense. Très bien. Donc, voilà, Inse qui nous dit qu'elle est venue en France pour pouvoir progresser, les oppositions dans le championnat français. La Turquie en grande progression. Alors, c'est vrai que nous, on t'a connu plutôt comme une coureuse et il y a eu cette médaille en double. Est-ce que toi, tu préfères la course ? Ou alors plutôt le double, comme on voit. Mon spécialité préférée est les courses et progressives et après relais. Mais toutes les disciplines de sport boule sont intéressantes et je pense que toutes les disciplines sont très bien. Et je suis toujours amusée, mais le progressif est meilleur pour moi. Alors en plus, on va avoir le plaisir parce que tu vas courir la finale en tir rapide en double, où tu vas courir avec ta sœur Buquette, c'est ça? Oui. Et Buquette, c'est également une grande championne, parce qu'elle est championne du monde en tir de précision, vice-championne d'Europe en tir de précision, championne avec toi en double. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'elle? J'ai beaucoup de fière à elle parce que elle est très bien joueuse et elle a très bien mental control et c'est très important pour notre sport et il n'y a pas beaucoup de optimales conditions en Turquie, mais avec travail et intelligence, je pense. Elle a résulté très bien et je pense qu'elle va continuer comme ça. Et c'est un très bien honneur, bel honneur et jouer avec ma sœur et grande championne. Et j'espère qu'on va gagner ici. Eh ben, on espère aussi, ça va être contre la Slovénie. Alors ici à Monaco, tu es venu régulièrement. Le Ravera, c'est le challenge Ravera, c'est important dans la carrière? Et bien sûr, sont importants parce que toujours tu peux comprendre et quelque chose. Maintenant, c'est pas j'ai expecté meilleur pour ici, mais maintenant c'est pas très bien à continuer pour nous. Oui.
finale, relais, c'est bien, mais doublette et précision, c'est pas très bien. Mais, et oui, éliminé par l'équipe de Suisse hein, en partie de poule en double, et puis le tir de précision ce matin, c'est pas passé pour Bucquet. Voilà, Ince, bah déjà, nous, on peut dire qu'on est ravis de t'avoir en France. Je pense que du côté de Rive-de-Saône, quand tu vas jouer, bah, les gens ils vont venir te voir jouer également en déplacement dans les différents matchs. Comment tu trouves le jeu français ? Les joueurs ? Les joueurs, les joueuses. Facile, difficile, beaucoup de matchs importants pour toi ? Bien sûr, c'est plus difficile parce que il y a beaucoup de haut niveau joueurs et joueuses en France, mais c'est mon raison que je veux aller en France et jouer ici parce que quand il y a bon niveau, tu peux progresser meilleur et je suis très contente et encore mes équipeurs sont très bien et sont très fortes et je suis j'ai beaucoup de chance je pense et j'espère qu'on va gagner toutes les compétitions et on va les suiter. Très bien. Peut-être une dernière question qui me vient pour clôturer là. Est-ce que quand tu étais plus petite, tu avais une joueuse préférée, tu vois, une joueuse que tu aimais beaucoup ? Inspiration ? Oui, une inspiration ou pas ? Oui, bien sûr. Sevda Keklik, c'est une joueuse turque qui a gagné première médaille internationale pour l'équipe de Turquie. Et Marco Ziraldo, il est l'italien joueur. Et Chipan, Chen Chipan, chinoise. Ah, le chinois, le joueur chinois. D'accord. Parce que notre technique ouverte, main ouverte, c'est ensemble. C'est pas ensemble, mais similaire. Et je pense à les joueuses qui j'ai dit m'inspiraient beaucoup. Très bien. Eh ben, écoute, nous, ce qu'on espère, c'est que ta venue en France va inspirer beaucoup de déjà d'autres joueuses étrangères et puis dans nos plus petites générations, voilà, des joueuses qui vont avoir envie de suivre tes pas. Merci beaucoup pour ton passage. Ça a été un plaisir de t'interviewer. Merci, j'espère que tu me comprends bien. Bah, je pense que les internautes peuvent dire que le français de INSEE peut être amélioré, mais on la comprend très bien, il est parfait. À bientôt sur les terrains. Allez la voir jouer en France quand elle vient avec son équipe de Rive-de-Saône. Vous allez vous régaler. Salut à mon équipeur, mes équipeurs Rive-de-Saône. À bientôt. Merci INSEE. INSEE, voilà. On va chercher la bonne prononciation. Alors, pendant ce temps-là, donc ça a évolué, on vous a mis les scores à jour. La France en catégorie moins de 15 ans qui a pris les devants avec 4 points. 4 à 3 face à la Croatie. Ça a évolué en moins de 18 ans, donc également 3-0 pour la Croatie face à la France. La Suisse en féminine qui a égalisé à 3 partout. Annulation à l'instant pour l'équipe de France en catégorie moins de 15 ans. Donc on en reste 4 à 3 pour les Bleus. Et puis au terrain numéro 2, le premier point donc pour l'équipe d'Argentine qui n'est plus menée que 4 à 1. On va vous corriger ça sur le direct.
Chico. Voilà. Temps mort qui a été sollicité côté des moins de 15 ans. Benjamin Sauce s'est frappé. Voilà, et le temps qui déroule. Bientôt les 30 dernières minutes de jeu. Alors oui, pardon, ne jamais vous fier à ce qu'on vous dit ou ce qu'on vous montre derrière un écran. C'était pas une annulation, c'était un tir pour 4 points pour l'équipe de France en catégorie moins de 15 ans. Les Bleus qui mènent désormais 8 à 3. Voilà, puis ça vient d'évoluer également en moins de 18 ans. C'est la Croatie qui continue à faire la course en tête et qui mène 4 à 0 face à l'équipe de France. Ah, un boule de Nicolas Perron-Gérard qui sort des limites du terrain. Allez, Émile Roland, qui s'est un petit peu écarté pour son ouverture de main. Les encouragements du tireur croate à son partenaire. Boule le long de la ligne latérale, prise à l'appui pour la Croatie. Nicolas Perron-Gérard qui réussit la reprise. Ouais. Poursuivre au tir côté argentin. Émile Roland qui assure la reprise. Croatie désormais un petit peu débordée dans cette catégorie moins de 15 ans. Croatie qui repart au tir. Avec le but qui n'a pas été annoncé, donc qui va revenir en place.
Argentine au tir. Frappé avec la petite carambole sur la boule de son partenaire. Et cette fois-ci, c'est le tir au but qui va être sollicité. Benjamin Sozo au point, en moins de 23 ans. Reprise assurée. C'est raté, évolution du score hein, chez les féminines. C'est la Croatie qui mène désormais 5-3 face à la Suisse. Voilà, la tire. Est-ce qu'il est régulier ce tir? Apparemment non. Et dommage pour l'Argentine. Carreau qui avait été réussi, mais tire légèrement au-delà du 50 cm autorisé par le règlement. Ouais, ce qui aurait pu faire du 4-3 se transforme en 5-1 en faveur des Bleus. Voilà, et puis un petit salut amical à Monique Prudent, voilà, qui est une des responsables du club de Rive-de-Saône, voilà, à laquelle vous allez pouvoir voir évoluer INSEE et c'est Osturk. Alors, allez à voir à domicile et puis lors des déplacements de Rive-de-Saône, vous allez pouvoir vous régaler, puis également de sa gentillesse. Ça évolue toujours en faveur de la Croatie dans la finale des moins de 18 ans avec un cinquième point. Benjamin Sauce qui vient de s'élancer, c'est frappé. Dani.
Une dernière boule pour les bleus. Dans la catégorie moins de 15 ans, c'était un tir pour ajouter, pour faire compter. C'est raté, on va attendre la mise à jour du score. L'équipe de France qui pour l'instant fait largement la course en tête. Il va falloir bien réussir à gérer cette fin de partie. Reprise pour l'Argentine. Benjamin Sauce qui va s'élancer. Frappé pour Benjamin avec la boule argentine qui reste dans les limites du terrain. Et le but non annoncé qui va revenir en place. Voilà, et puis la mise à jour du score à l'instant. 9 points, 9 à 3 pour les U15. Alors, reprise pour l'Argentine. Pour la Croatie, c'est frappé. Un frappe pour Benjamin Sauze qui fait comme son partenaire une super finale. Yeah, not the. Yeah.
La Suisse qui a repris les devants 6-5 dans la finale féminine. La Suisse qui crée la grosse sensation, hein, on va dire la grosse côte de ce challenge Denis Ravera après avoir éliminé en deuxième partie de poule justement la Turquie, en partie de barrage l'équipe de France, en demi-finale la seconde équipe de France et qui là fait plus que jeu égal avec la Croatie en menant 6-5 à 20 minutes de la fin du temps réglementaire. Je ne sais même pas ce que c'est. Voilà une autre interview. Alors on a changé de côté. Voilà, on est avec entre guillemets le patron voilà du sport bouliste à Monaco. Voilà Didier Fulconis, le président de la fédération monégasque de boule. Bonjour Didier. Bonjour Christophe, merci à tous, bienvenue à Monaco. Voilà, alors déjà un petit peu ton regard là sur ces premières finales du challenge international de Denis Ravera. Alors mon regard est plein d'étoiles. Hein. Nous avons eu l'édition précédente que je qualifierais de demi-teinte puisque les conditions sanitaires étaient compliquées, la météo était maussade. Et là, l'édition 2023 est un réel 2022, pardon, est un réel succès avec la présence de 15 nations représentant 5 continents. Et nous avons l'immense plaisir d'avoir des équipes monégasques encore en piste. Et oui, ça va être juste derrière avec l'épreuve du tir de précision. Parlons un petit peu de la Fédération monégasque de boule. Alors, deux gros événements qu'on a pu suivre sur Boulisnote au niveau de la pétanque. Oui, tout à fait, Christophe. Deux compétitions importantes, un concours féminin, exclusivement féminin, le challenge Princesse Gabriella, suivi d'un concours masculin en triplette, qui a vu la victoire de l'équipe belge. Donc je salue à l'occasion tous les internautes de Belges. Et enfin, pour clôturer l'exercice, ce magnifique challenge Denis Ravera, qui est une compétition de jeunes qui n'a pas d'équivalent en Europe, on peut le dire. Ça représente combien de licenciés, la Fédération monégasque de boule dans toutes les disciplines? On est dans quel ordre d'idées à peu près? Nous sommes une association très, très présente en principauté, puisque nous comptons environ 1000 personnes, 1000 adhérents, répartis à raison d'environ 650 pour le club bouliste monégasque qui pratique la pétanque et 350 pour le club bouliste du Rocher qui pratique le sport boule dans un écrin merveilleux. Alors, quelles sont un petit peu les perspectives de développement? On a eu quelques mots sur Boulisnote. Monaco, désormais, sur les terrains, que ce soit dans toutes les disciplines, est attendu et craint même. Rencontrer les équipes monégasques, ce n'est pas rien. Et voilà, quelles sont un petit peu les perspectives que tu souhaites donner à ta fédération? Tout à fait, tes propos me font particulièrement plaisir, Christophe, puisque, on va dire, il y a une quinzaine d'années, rencontrer Monaco dans les compétitions internationales n'était pas une sinécure. Aujourd'hui, nous présentons des équipes de qualité, que ce soit en jeunes ou en seniors, et ce, dans toutes les disciplines. L'avenir s'annonce rayonnant. Nous avons au club bouliste monégasque Denis Olmos, qui fait un excellent travail à l'école de pétanque. Et nous pouvons comparer le club bouliste du Rocher avec Eric Lotto et bien sûr Dominique Vergier qui œuvre sans compter pour faire en sorte que la principauté soit présente dans les compétitions internationales, ce que nous arrivons à obtenir désormais.
Très bien. Est-ce qu'il y a une question, tu vois, que t'aurais aimé que je te pose, quelle réponse t'aurais apporté, voilà un petit sujet que t'aurais peut-être aimé qu'on aborde pour conclure ce petit entretien. Oh, le sujet abordé serait la pérennité du sport boule et le maintien du nombre de licenciés, ce que nous parvenons à faire, certes dans des conditions merveilleuses, mais sans le travail au quotidien de tous les gens que j'ai cités et bien sûr l'ensemble des bénévoles. Il ne faut pas oublier que plus de 25 personnes ont travaillé pour la manifestation Challenge Denis Ravera pour le sport boule. Plus de 60 ont travaillé pour l'organisation des concours masculins et féminins à pétanque. Sans eux, rien ne serait possible. Ah, voilà, c'est un super mot de conclusion. En tout cas, Didier, merci pour ton accueil. Merci de nous offrir avec le club Boulis de Rocher cette retransmission Monaco qui, du coup, ben, voilà, est vue dans le monde entier et appréciée dans le monde entier. Est-ce que c'est vraiment des rendez-vous des calendriers internationaux tous merci. Ces concours. Merci à toi, Christophe. Merci pour ta connaissance et pour la promotion du sport boule. À très bientôt. Merci. Voilà, Didier Fulconis, le président de la Fédération Monégasque de boule. Alors, pendant ce temps-là, les scores ont évolué. On va vous remettre les incrustations. Un petit point pour la Croatie. Donc, on n'est plus mené. Croatie qui n'est plus menée que 9 à 4. La France en catégorie moins de 23 ans, c'est 6 à 1. 6 à 0 pour la Croatie face à la France en catégorie moins de 18 ans et toujours 6 à 5 pour la Suisse face à la Croatie. Voilà, on va retrouver les plans rapprochés. En espagnol, ça parle loin. Ouais, je sais. C'est arrivé à cette situation-là un jour. Voilà, les Français bien embarqués dans cette finale en catégorie moins de 15 ans. Nicolas Perron-Gérard, c'est une boule qui passe bien au jeu, mais c'est une boule qui est forte. Alors, pas de reprise pour Nicolas Perron-Gérard. Il va falloir réussir à dépasser les boules côté argentin. On a vu que ça tombe un peu. Alors, la première boule qui ne compte pas pour l'Argentine.
Kevin Nevila qui a peut-être cherché à rentrer la boule de son partenaire. Boule de distance. Alors, l'échec pour la France. La mesure pour le deuxième point argentin. Qui mesure un peu à l'envers. Mais... A priori, c'est confirmé, les deux points pour l'Argentine. Qui n'est plus mené que 6 à 3. Alors mano à mano qui se poursuit. 8 à 6 désormais pour la Croatie face à la Suisse. C'est en finale féminine. On est rentré dans les 10 dernières minutes de jeu. Alors pour les bleus moins de 15, voilà, dernière boule à venir, on est à une boule contre 3, points contre. Voilà, entame intéressante, boule en retrait du but pour l'Argentine. Attention là, les bleus qui ont un petit peu dévissé. C'est 3 boules d'ajout pour la Croatie qui a la possibilité de complètement se relancer dans cette finale. Boule un peu forte qui semble compter. Et on se dépêche pour gagner du temps côté croate. Ouais, ça file vite à l'eau après sur la droite, sur ces terrains du CBR. La troisième boule, ouais, je vois peut-être avec un peu trop de précipitation, qui ne compte pas pour la Croatie. Dernière boule à venir. Alors, on va attendre la mise à jour du score. Nicolas Perron-Gérard qui est sur sa seconde boule. Ouais, bien sûr, superbe reprise de boule à coller au but. Raté pour Capdevila. Neuf à 7. Deux petits points d'avance pour la France en catégorie moins de 15 ans. Ou un tir sur la droite à nouveau pour le tireur argentin. Alors l'entame croate plutôt intéressante parce qu'on se souvient voilà quelques mètres que les Français avaient complètement dévissé dans cette partie du terrain. Et Émile Roland
bien entamé cette main. Cette boule est intéressante. Bravo, superbe reprise, une main complètement oubliée. Voilà, tentative d'annulation réussie pour l'Argentine, qui conserve un petit espoir de revenir à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Alors, on va rebasculer sur le plan large. Ça, c'est une tentative d'annulation pour la Croatie. Tir au but réussi. Le suspense qui va continuer également dans cette catégorie. Avec la belle entame de main pour l'Argentine. Allez, Benjamin, continuez ces belles performances de tir. Tire sur la droite. This is good, no? Good or... Medium. Deux échecs pour la France. Ouverture de main croate, boule courte hein, sur un jeu à 13 mètres de distance, ouais. 1,50 m court. Et du coup, c'est Nicolas Perron-Jarre qui va s'élancer pour les Bleus. Il y a eu deux boules à tirer. C'était lors de la première main, il me semble. Hein. Il y a une sur deux, Nicolas. La reprise pour l'équipe de France en moins de 15 sur la gauche. Ouais, on n'a pas pris le tir au but et on va pas avoir le temps d'aller le tirer. Il reste 30 secondes. Il va falloir se dépêcher si on veut aller tenter l'annulation.
Annulation réussie pour la Croatie. Le suspense qui continue. Fin du temps réglementaire. Donc victoire pour la Croatie en catégorie moins de 18 ans. Peut-être avoir une mise à jour du score. Victoire pour la Croatie également en féminine. Alors ça doit être du 9 à 6 pour les filles. Reprise entre boule et but pour l'Argentine. Alors, quelle va être la jury pour les Bleus qui sont devant, fin du temps réglementaire. Il y a plus 3. Alors, j'ai pas suivi le nombre de boules restant à jouer. Sur le visuel, alors 2 boules pour l'équipe de France, ça c'est sûr. Peut-être 2 boules contre 3. En tout cas, Benjamin Sauze a tenté l'annulation pour figer le score à 9 à 7. Mais on se concentre sur le tir du tireur français. C'est une boule de victoire dans le Ravera. Waouh, c'est juste sauté. Pendant ce temps-là, sur la gauche, la reprise pour Émile Roland qui fait du jeu au point sur les reprises dès sa première boule sur les points croates. La Croatie qui assure la reprise. Voilà. Dernière boule française en moins de 23. Il reste 3 boules à l'Argentine. Alors, il est un peu fort, apparemment, Nicolas Perron-Gérard, mais réussit la reprise à l'appui. La frappe pour la France. Alors, frappé, est-ce que la boule de Cap de Villa au fond est restée au fond du jeu? Est-ce qu'elle est valable? Oui. Pas de reprise sur la gauche pour la Croatie. Voilà, c'est une boule de gagne là pour l'Argentine parce que carreau au fond du jeu. La boule devant est à l'Argentine. Non, c'est pas taper gagné, c'est taper égalité et carreau gagné. Frappé. Et on va chercher la main supplémentaire à but non annulable et non perdable. 6-6 côté argentin. Quel dénouement!
Vamos, oui, vamos, Paco, vamos. Il était pas loin de réussir le carreau en plus, Abdoulaye. Sa boule était un poil plus basse. Voilà, pas de reprise pour la Croatie. Là, les bleus plutôt sereins pour l'instant en catégorie moins de 15 ans. Un petit peu de monde devant, voilà, ça devrait se dégager pour le tir. Frappé pour la Croatie. Il se retrouve, il me semble, avec les trois boules devant. Voilà, et puis pour cette main à but non annulable et non perdable, alors là, toutes les boules vont compter. Un jeu entre 15 mètres et 15 mètres 50 de distance. Bien. Une boule, un petit 50 cm en retrait du but. Alors, attention, c'est raté pour la France. Mais Nicolas Perron, Gérard pour la tentative de reprise. Une belle direction, mais c'est une boule qui est un peu courte. Pour la France, en moins de 15 ans, c'est une boule qui va rester courte. Combien on a de points par terre, là, côté croate ? Alors, la question c'est combien de points ont les Croates par terre ? Alors, c'est là où il nous manque les boules de couleur. Effectivement, les Français, du coup, ils doivent pas être bien, ils doivent être même assez mal. On est peut-être sur 2 points contre ou 3 points contre. Et du coup, on va les tirer au but pour donner un point aux Croates, ce qui permettra aux Français de l'emporter 9 à 8. Frappé pour Benjamin Sauze. Alors c'est ça, hein, les Croates. Attention le petit. Attention. Les Croates ont 3 points par terre. Et du coup, tir au but pour la France pour donner un point à la Croatie et l'emporter 9 à 8. Le tir au but est réussi. Incroyable scénario. Victoire de la France, 9 à 8. Voilà, et puis ben, dans la finale des moins de 23 ans, sur laquelle on va recaler légèrement la caméra. Voilà, pour que vous soyez aux premières loges. On est à 4 boules contre 4. Thank you.
Et du coup, tu es un vierge de toute boule. Nicolas Perron-Gérard, la jolie boule. Frappé pour l'Argentine avec une boule qui est restée au fond des limites du terrain. 3 boules contre 3. Alors Nicolas Perron-Gérard, la jolie boule, ouais, qui a forcé l'Argentine à poursuivre au tir. Petit avantage pour l'Argentine à 3 boules contre 2. Frappé pour l'Argentine. Alors on rappelle que l'Argentine a une boule au fond du jeu qu'on voit pas à l'écran. Plutôt sur la gauche du terrain. Voilà, ça change de pointeur, ça change de tireur. Benjamin Sauce qui va s'expliquer avec le pointeur argentin qui a une boule à tirer dans cette partie, qui avait fait carreau, mais sur un tir non régulier à voilà, 52 cm devant, alors que distance autorisée donc est de 50 cm. Et Benjamin Sauce a plutôt bien pointé les boules qu'il a eu à négocier jusqu'à présent. Là, il s'est pris un peu le but, Benjamin Sauze. Et du coup, il se retrouve avec une boule 20 cm en retrait du but. Voilà. Côté argentin, ouais, ça... il n'y a pas eu trop d'hésitation. On décide de partir tirer. Peuple très joueur, Argentine. Oh, la casquette. Casquette et boule qui du coup conserve le point pour l'équipe de France. Sur ces deux tirs là, le pointeur argentin, il n'est pas vénard. Après, première boule, elle n'est pas bonne, mais pour quelques centimètres, c'est un carreau qui aurait permis à l'Argentine de revenir à 5-3 au lieu de 6-1. Et là, boule frappée, mais qui ne permet pas de faire compter le carreau de son tireur. Et du coup, boule à boule, le bénéfice qui s'inverse, c'est Benjamin Sauce qui va avoir les clés de cette finale. Alors, on va voir si ça sera au point ou au tir après cette boule. Il a perdu. Mais pas mal joué. Hein. Boule dans le but. Et ben voilà, devant une centaine de personnes dans un endroit très clos du club Louise du Rocher, Benjamin Sauce qui se retrouve avec la boule de victoire au challenge international Denis Ravera. Splendide dénouement offert, là pareil, deux équipes de France en moins de 15 ans avec ce tir au but pour faire compter un point et figer le score à 9-8. Et là, Benjamin Sauce. La boule qui sort pas et c'est l'Argentine qui conserve le point
incroyable dénouement. Et victoire de l'Argentine qui retourne du coup la situation en s'imposant sur le score de 7 à 6 face à l'équipe de France. Eh bien, quel scénario. On sait. Voilà, on va se mettre en place pour l'épreuve du tir de précision. Beaucoup d'émotions à venir à nouveau. Allez, on se retrouve d'ici 10 minutes. Le temps de s'installer.